Jeff. Encore une de ces vidéos sur les, mon avis, les tests sur certaines guitares. Donc aujourd'hui, il s'agit d'une guitare fabriquée par Taylor. C'est une GS Mini avec le table en acajou. Donc j'ai fait une autre vidéo, allez regarder, c'est un peu plus long, qui traite le GS Mini avec le table en épicéa, tout le même sur le centre de table en épicéa. Je parle aussi, on écoute également le système OS Go, le micro qui est fait par Taylor, qui est à l'intérieur de la guitare. Aujourd'hui, je ne peux pas essayer de faire tous les détails comme ça, l'autre vidéo traite ça. Donc aujourd'hui, cette vidéo, c'est pour juste écouter cette version avec la table massive en acajou. Et voilà, cette guitare même, ce modèle spécifique, on voit que c'est même presque un acajou un peu flammé. Donc c'est très très beau comme bois. Donc la guitare, comme l'autre, vient également avec les éclisses et le dos en sapelé. C'est un acajou africain. Donc on voit que le mélange est bien parce que c'est deux espèces d'acajou différents. Okay? Aussi, on a le manche en acajou, on a la touche et le chevalet, tous les deux en ébène, comme d'hab. Donc on a aussi le dossier en tusque, etc. Normalement, le GS Mini vient avec le chevilles en plastique. Là, on a changé pour faire un autre type de son. Donc ce genre de guitare, qu'est-ce qu'il y a bien avec ça? C'est que si vous cherchez un son qui est assez chaleureux, assez bien équilibré, c'est ça ce genre de guitare à prendre, okay? Si vous cherchez à avoir peut-être une guitare tout en acajou, ça c'est un bon compromis parce que c'est deux types d'acajou un peu différents, ça coûte un peu moins cher. Mais ça a le même rendu, okay? Donc ça c'est assez proche. Donc, et comme le GS Mini, ça projette très bien pour le taille du corps, le corps de la guitare. C'est un très bon rapport qualité-prix. Donc, allez dans un magasin de musique, testez un GS Mini acajou et surtout avec des tables flammées si possible. Je crois que vous serez vraiment content. Bonne journée.